Hey, yop là, bonsoir sur le stream. Alors, au programme ce soir, découverte de la deuxième alpha de Scorchbringer. Donc, j'avais streamé la première, c'était il y a. Deux semaines peut-être, deux, trois semaines. Ah, je suis en train de voir que c'est mal carré. Ça devait à toi il y a deux semaines à peu près. Bah, j'ai beaucoup aimé, évidemment, c'était super cool, hein, le perso ultra dynamique, etc. Et j'avais dit que bah, ce que je voulais faire avec le jeu, en fait, simplement, c'était que. Qu'à chaque nouveau patch, en fait, je referai un petit tour pour voir les nouveautés, tout simplement. Et donc là, dans l'Alpha 2, les principales nouveautés, c'est l'ajout de la super attaque. On voit, déjà, ça fait un peu de différence. Il y a l'ajout de la super attaque. Et il y a aussi un autre truc à faire la différence, c'est que maintenant, le petit drone qui est avec nous peut avoir différents armements. Et donc, dans la boutique, il y aura différents armements. Il y aura rien. Différents armements et également ils ont modifié le système de rechargement du drone. Donc avant il pouvait avoir deux barres, c'était pas forcément très bien compréhensible. Maintenant il y a une seule barre voilà, qui se recharge au fur et à mesure qu'on fume des ennemis. Et le nombre d'utilisations ça dépend de l'arme dont il est équipé en fait, tout simplement. Voilà donc en gros les principaux axes de modif en fait. Voilà, donc la super attaque, les armes du drone et le rechargement des armes. Voilà, et bah écoutez, je vais partir, on va commencer, on va faire quelques runs, hein. Je pense que je joue une guitare à mon avis au jeu à peu près. Et puis après, bah du coup, je pense que je vais. Je ferai Stay Away and Listen épisode 52, donc sur Warhammer 40 000. À la base, en fait, je devais jouer à journée, sauf que le jeu ne se lance pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Je suis super triste. Parce que je voulais faire la journée et puis Scorchbringer et ben non. Ah voilà, donc là un basic gameplay, hein, donc on est nouveau monde, on récupère la super agile. Avec le dash donc on peut attaquer les ennemis. Avec le slash alors on peut taper. Donc l'attaque smash c'est une attaque puissante qui si on tape un ennemi avec un point d'exclamation on s'appelle de stun. Le blast donc c'est le tir du drone. Donc là on dit bien hein, que voilà. Donc en gros pour recharger voilà, il faut utiliser les attaques avec l'épée. On peut faire des combos voilà, pour plus on a de combos, plus on récupère de thunes. Et la super furie, voilà, donc c'est la nouveauté. Voilà. It's very devastating. Et en plus ça enlève toutes les boulettes à l'écran. Voilà. Par contre il y a un truc. Donc sauter, slasher, smasher, le dash donc c'est la petite gâchette. Non c'est la grosse RB c'est quoi la petite gâchette ou non c'est la petite gâchette droite. Tirer c'est la grosse gâchette droite. Stop mouvement. Allez super attaque c'est grosse gâchette gauche c'est ça. Et maintenant on a une carte. Ouais. Ah voilà, cool, allez voilà, il y a ça aussi comme modif, c'est que maintenant on a. Maintenant on a une. Il va me falloir. Oh. Ouf. Oui, il va me falloir évidemment du temps pour. Pour me reprendre, enfin pour me remettre les commandes en main. Déjà, c'est pour utiliser la chance sur mon vieux PC. Bah j'ai l'impression que je suis un peu tout seul à avoir le problème du lancement de journée. Oh.
ça, c'est un truc qui est cool quand même sur Steam, c'est le fait d'avoir un forum avec des gens qui peuvent parler et tout, quoi. C'est vrai que là, ça manque un peu sur HP Max, Renan HP. Acheter l'arme. Alors du coup maintenant, ah voilà, donc maintenant j'ai un gros blaster comme arme. Je vais d'avoir un petit pistolet tout pourri. Bon, le problème c'est que là j'ai plus de points de vie, hein, donc voilà. J'ai raté le stomp. Je vais mettre une grosse attaque et je l'ai mis à côté. Allez, c'est parti. Maintenant, on commence à... Ah purée, j'arrête le gros slash. Mais c'est pas possible, je suis extra. Ça n'existe pas de se faire toucher comme ça.
moins 10% maximum de munitions. Voilà, et là, triple machine gun. Yeah. Cool ça. Trois fois le fun. Alors, allez. Tome de précomateux. Ah oui, non, mais moi, c'est juste un bug. Hein. C'est en gros. Ah putain, j'ai raté le... Bon bah là j'ai plus qu'un point de vie, ça va être compliqué là. En gros, ça lance le jeu et il se ferme tout seul quoi. Il se ferme direct. Ça a juste le temps de... Ça a juste le temps de lancer le truc. Ça marque jeu lancé et hop, ça revient... Fait comme si c'était rien passé quoi. Après c'est normal que ça. Qu'il n'y ait pas beaucoup de prérequis quoi, c'était un jeu. C'était un jeu PS3, non. Mais ouais. Mais du coup je suis vraiment blasé quoi parce que. J'ai pas pensé à le lancer avant quoi. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Ah non! C'est dommage, j'avais une bonne combo là. Bon, vitesse de rechargement. Ou des trucs. On va essayer le ouvre des trucs, ouais, non. C'est bien, j'ai pas vu de. J'ai encore jamais vu de coffre dans ce jeu. Intéressant. Peut-être que maintenant quand on tue le boss, il peut y avoir un coffre. Allez, ouais. J'aimerais bien avoir 220. Là. Je sais pas si c'est possible ou pas. S'il me reste une salle là-haut. Oh putain. Eh, 238, c'est bon, j'ai ce que je voulais. C'était où? C'était tout là-haut.
Le seul problème, c'est que là, c'est que le tir de base, et le tir de base est quand même un peu pourri, donc. Donc on va quand même aller acheter une meilleure arme. Il n'y a pas de coffre. Celle avec le gros carré, c'est quoi? C'est la salle par laquelle j'arrive. Hein. Ouais, c'est la salle de base. À moins qu'il y ait des salles cachées. En tout cas, il est bien cool l'arme, cette grosse sulfateuse là. Pareil, y a pas d'armes, y a pas de, ouais, pas de coffre non plus. Non. Je sais pas s'il y a des coffres qui peuvent apparaître ou pas. Je vais me chercher un cave, je reviens. Il veut pas. Ah oui, monsieur, attends, tu vois, ça existe pas. Ouais. Faire exit, évidemment. Désolé pour les oreilles, je fais des gâteaux sur le passage. Bon, on va enchaîner. Peut-être pour l'instant, je suis. J'ai toujours du mal à. Oh non, là, j'ai fait exprès sur le plaisir. Bringer. Je sais pas du tout comment ils vont comment passer. Je
Peut-être qu'après, à terme, quand ils seront satisfaits des versions qu'ils auront, ils mettront en préco avec l'Early Access, du coup. Je crois que c'est ce qu'ils avaient fait pour Neurovider, il me semble. On verra si c'est Mr. Helmut qui passe, tu pourras lui demander. Mais je pense que pour l'instant ils veulent juste une alpha, ils veulent une alpha assez restreinte pour avoir plein de feedback en fait, enfin plein de feedback mais pas trop quoi. C'est la visée, la petite bestiole. Là. Alors, il y a quoi? De mes carotides avec une dispersion de table. C'est une nouvelle arme. Hein. C'est le but. Ah, c'est mort, j'ai vraiment terminé par les boss quoi. Les deux dernières salles qu'il y avait, c'était la salle du boss et la salle du mid-boss quoi. Oh genre il me manque 3 pour augmenter les PV de 1. Un peu finalement maintenant, c'est pour descendre de plateforme. Parce qu'en fait, le jeu est tellement speed que des fois tu veux descendre une plateforme mais. Tu veux descendre une plateforme, mais le jeu il speed donc tu veux limite rebondir dessus et en fait tu rebondis tellement qu'elle a pas eu le temps de s'accrocher ta georgette. Et du coup, le descendre, ça l'a fait sauter. En fait, en gros, quand on fait ça, toi tu veux. Là j'aime rien sauter directement en bas. Je sais pas s'il y a un intérêt à se baisser en fait. C'est du coup, plutôt que de refaire bas et saut, s'il n'y a pas vraiment d'intérêt à se baisser, ça serait mieux directement de pouvoir descendre plutôt que de faire bas saut quoi. C'est le problème avec le bas saut, c'est que ça, quand tu vas vite, c'est compliqué quoi.
C'est des fois tu le fais un poil trop tôt et du coup elle rebondit sur la plateforme. Il va rester. Ouais, je suis dégoûté pour la journée, surtout que là j'étais bien chaud pour y jouer, j'avais le temps, c'était impeccable. Je m'étais dit, bah, j'ai le temps de faire une journée, plus jouer un peu à la nouvelle alpha. Et ouais, le jeu il se lance, enfin il se lance. Ça fait le petit, déjà un petit effet sur le curseur de souris et machin, ça marque. Au niveau de la bibliothèque Epic, ça marque bien le jeu lancé. Et puis après ça revient comme si j'ai rien fait. Le bouton il se retransforme à nouveau en bouton lancé le jeu. Putain, je le déteste cette salle en fait avec les deux canons. Yo Tao! J'ai cliqué sur les promos. J'ai cliqué sur le prompt, ouais. En même temps, vu comme c'est cher, t'as intérêt à craquer quand c'est en promo, quoi. Allez, triple machine gun. Merde, j'ai raté la salle. Faut que je tourne à lancer, mais il faut aussi que je clean sérieusement mes disques de rien. J'ai acheté les stashes, même pour les uniques. Ah, c'est rigolo quand tu veux faire de la. En vrai, les onglets de stash uniques, c'est cool quand t'aimes bien collectionner, quoi. Et que tu joues beaucoup parce que sinon je vais pas te mentir, il y a des uniques que tu verras jamais. Déjà en jouant beaucoup, il y a des uniques que tu verras jamais. T'as 2 points de vie, c'est pas bon. Hein. Ça paraît mal engagé cette run, c'est 2 points de vie. Après, si je pourrais ne pas bourrer comme un âne, auquel cas ça passerait plus facilement, mais. Mais bon. Ouais, en plus. Et merde. Oh non! Pourquoi j'ai sauté? C'est écrit PlayStation, ouais. C'est vrai que moi, ce que je disais... tout à l'heure, toi, on aime ou on aime pas l'Epic Store, honnêtement, je m'en fous un peu de la guéguerre, machin. Mais par contre, dans les cas comme ça, t'es content d'avoir un forum sur Steam. Bon, même si 3/4 du temps, il te sert à rien, parce que... Le problème il est pas listé dedans, mais des fois t'as les gens qui ont le même souci que toi et qui ont réussi à la résoudre et c'est cool quoi. Alors que là c'est vrai que du coup sur Epic t'as pas grand chose quoi. Mis à part relancer ton launcher, relancer l'ordi,
J'ai fait vérifier le jeu, mais ça a rien changé. Chaque fois, j'ai une erreur avec cette salle, c'est ouf. Hein. Oh, pourquoi ça l'a pas même? Mais. Ah, Milligan. Comme c'est des potes. Ah! Ouais, nerf minigun, quoi. En un an. Je sais pas les quêtes de journée. Ouais, bah ouais, bah après, il y a aucune raison qu'il se passe pas chez moi en fait. Hein. Moi, tu peux bug report sur les formes de jeu, ouais. Je ferai le chiffre support, ouais, j'envoie un message quand même. J'ai obligé de faire le chiffre basculer en US, oui, non, mais après. Ah bah après, je me doute hein, qu'il n'y a pas de... Bah, de toute façon, à quelque part, c'était logique que ça marche chez les autres, hein, sinon... Ok, je me suis touché, j'ai pas vu. Sinon, ils auraient plein de messages dans tous les sens, dire le jeu ne marche pas, etc. Quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de forme mode pour les problèmes sur le jeu s'empêche de voir justement. Ouais, bah, ah oui, ouais. Ouais, mais après, oui, c'est sûr.
Ah bah là c'est le record battu. Comme c'est l'habitude, je chouine un peu sur la salle mais... Ça, ça m'embête la clé. Je l'ai vu tout à l'heure, mais... Oh, la super furie, j'ai complètement oublié que ça existait. Ah ben, on va l'utiliser, parce que j'ai plus que 2 points. Complètement zappé que j'avais une super furie. Pourtant c'est dommage, hein, c'est parti des... Des nouveautés à tester dans la soirée, mais... T'as par contre du coup là... un point de vie, c'est ça? Je pense qu'il va bien se passer le boss avec un point de vie. Ah non, j'ai pas mis le... Ah, j'ai pas mis le coup puissant. J'ai viré des relevés vidéo pour faire de la place, du coup je suis obligé de faire le... Ouais. Bah après globalement, de toute façon, ton ordi, plus il y a de place dessus... Plus tout fonctionne mieux quoi, de toute façon. Alors la clé, ouais, je sais pas. Je pense qu'on ira la prendre la clé, mais... Alors j'en ai une mais j'ai pas pu en faire quoi que ce soit. Oh merde. Quoi? Pourquoi elle est tirée de quoi dessus? C'était bien, j'étais ta. J'ai pas vu les pics, les petits pics vicieux. Ouais.
si je paye le boss. Ouais. Je crois que j'avais pas encore pété le mid boss. Ça, on pourrait essayer de mettre l'attaque spéciale sur le boss, à mon avis ça lui fait pas grand chose, mais... Joli ça. Ah non, je vais mourir, non. Large. Large, large, large. Ah, et du coup, là, ouais, la clé, je sais pas encore à quoi elle peut servir. Je sais pas si... mais pas celui de lancer le jeu, ouais. Ouais, pourtant, tu vois, du coup, j'ai essayé de relancer. J'ai relancé le launcher, j'ai relancé mon ordi même. J'ai lancé, toi, Outer Wild qui est sur Epic aussi, il s'est lancé sans problème, donc ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, puis sur SSD, d'accord, ouais. Ah oui, non, mais c'est clair, de toute façon, POE sur SSD ça marche beaucoup mieux. Ouais, le boss il est cool, j'aime bien. Bon, je vais faire une dernière run, je pense. Dernière run, et puis au moins on aura vu un peu toutes les nouveautés de ce build. Bon, en tout cas, c'est cool, moi, ouais. Il n'y a plus qu'un seul truc qui me. Enfin, qui me dérange, ça. En bien grand mot, c'est une question d'habitude, c'est pour descendre de plateforme, le fait qu'il fait. En fait, traditionnellement, il faut faire bas plus saut. Mais le problème, c'est quand tu vas vite, des fois, bas plus saut, il te fait sauter plutôt que traverser la plateforme. Non ! Quel con ! Et surtout, je me dis, vu que de toute façon. On se sert pas du. On se baisse jamais, ça autant à la limite faire juste bas pour. Je sais pas. Mais non, mais... C'est interdit de faire ça. Ouais, j'en ai fait tout à l'heure. Ça fait ça, super sourire. En gros, toi t'as le temps qui se fiche, faut que tu bourrines la touche X. Et ça tape tous les ennemis à l'écran, quoi. Et accessoirement, ça... Ça cancelle les boulettes aussi. Un peu plus qui pourrait apparaître là, ouais, tiens.
Mais je suis content, j'arrive mieux à gérer là les différents changements d'armes et tout, c'est cool. Là, je commence à me faire vraiment plaisir sur le jeu là. Ah mince, j'ai. Putain, j'aurais dû aller acheter une arme, je suis un débile. Après voilà le boss, hein, quand on y va pas comme un gros débile, il se passe très bien également. Hein. Plus que ça s'en bat tir. Sleven de la mine, j'ai plus des urites, c'est possible de reset l'Evan. Alors tu peux pas reset l'Evan, mais alors, par contre tu vas en looter à nouveau de la urite en fait. Enfin voilà, c'est un truc, c'est une mécanique. À partir de maintenant, de temps en temps, t'auras Roger qui va pop et qui va te refiler du truc pour du combustible pour continuer dans la mine. Purée, à chaque fois je me fais avoir par les piquants rouges là-bas. En plus, le pire c'est les plans là. Ça fait ça du coup là. Et en plus, il y a un petit côté, tu ne le sais pas, mais t'es déjà mort. J'ai l'impression qu'ils prennent un peu les dégâts en un tout petit peu décalé les ennemis. Allez, s'il te plaît. Ah! Je vais pas péter mon combo. Mais non! Bon, dommage. Je commence à avoir un combo sympa. Il veut le crime. Oh, du shotgun. On va prendre ça, hein. Baoum. C'est vraiment cool le fait qu'il ait des nouvelles armes maintenant. Pour le drone, quoi. Par contre, vu que le shotgun est super puissant,
Non, c'est les trois, suffit. Voilà, chat n'avance plus, j'ai pas de torche, j'ai pas de raison de monter, donc ça meurt. Non, non, mais tu vas y retourner plus tard, regarde. Tu vas y retourner plus tard. En gros, la mine, t'y vas tant que t'as de. C'est quoi? C'est la sulfide, je crois. Tant que t'as la sulfide, ça te permet d'avancer. Et une fois que t'es fini, bah tant pis, tu y retourneras la prochaine fois que tu auras rechappé de la sulfide. En fait, tu auras d'autres events plus tard dans le jeu où tu vas retrouver machin avec son chariot qui va te refiler, et comme ça, du coup, tu vas pouvoir retourner dans la mine et continuer de progresser. Ah, il a pris méga cher, quoi. Bon, j'ai dit que c'était la dernière, mais vous savez comment ça se passe, hein. Putain, j'aurais tellement jamais dû me faire toucher là-dessus. Ah ouais, genre il a eu le temps de me tirer dessus, lui. Alors, du coup, la super furie. Ah. Vitesse de chargement, shotgun. Ah, bah écoute. Enfin, non, c'était le double shotgun, je crois que j'avais bien. C'était pas le shotgun normal. Merde, j'en étais sûr que je vais me faire toucher. Putain, c'est con, j'étais à quoi? J'étais à 2-6, je crois. J'étais content, je me dis, tiens, peut-être que je vais réussir à monter à 3. Bon, bah... Ah, il reste que le boss. Hein. Ouais, je sais trop ce qu'il y avait dans le magasin, on va dire que c'est vrai. Et oui, du coup, j'ai avancé de la mine, hein, parce que sinon, effectivement, dans la mine, c'est la mort. Ouais, la vraie dernière.
Putain, mais. Mais vise! Non! J'ai fait exprès de me le prendre, celui-là. Haha, il m'a pré-shot. Concombre. Un shotgun. Et par principe, je ramasse un concombre. Je me suis totalement fait toucher pour rien, c'est terrible. Putain, juste un truc que je veux voir. Ah non, c'est 240, c'est dommage. T'as toujours le B, j'ai envie d'appuyer dessus, alors que le B c'est la carte. Je me demande qu'est-ce que je pourrais mettre sur le B à la place de... En même temps, le dash, c'est mieux qu'il soit là, parce que le B j'y arriverai jamais. Caché de droite, là, c'est le tir, ouais. Non, sinon c'est pas mal que le B soit la carte. Enfin, le B il me sert pas, ouais. Il y a un petit que j'ai pas trop la lumière, ouais. Bon, et eh ben écoutez, on a pu tester toutes les nouveautés, hein, donc récapitulatif, hein, des grosses nouveautés de l'Alpha 2, hein, donc c'est bah, la super attaque,
que bon, qui est plutôt rigolote. Le fait que maintenant le drone puisse avoir différentes armes, donc là j'avais un shotgun, on a eu un double shotgun, on a eu une espèce de mitraille automatique, on a eu pas mal de choses différentes. Donc maintenant il y a vraiment beaucoup d'armes autour de ça. Du coup, dans les shops, c'est pareil, il y a pas mal de choses liées aux nouvelles armes, hein, pour avoir plus de recharge, enfin des rechargements plus rapides, plus de balles, ce genre de choses. La façon dont ça se recharge également. C'est un peu plus simple maintenant, donc en gros on met des coups d'épée, ça charge là-bas, une fois qu'elle est chargée on peut tirer avec. Suivant l'arme qu'on a, on a plus ou moins de tirs avec. On a une mini-map, donc ça c'est cool aussi. Et voilà en gros pour les grosses nouveautés de ce build. Comme j'ai dit, de toute façon moi je continuerai à streamer à chaque fois qu'il y aura une nouvelle alpha, hein, on fera une petite soirée dessus, enfin une petite soirée, on passera une petite heure dessus pour voir, protester un petit peu et tout. Le jeu est toujours aussi plaisant à jouer, hein, clairement, c'est... Et puis je trouve que puis plus j'y joue et plus je m'éclate, c'est là vraiment, bon, je termine avec 2 points de vie, mais il y a eu quelques runs où j'ai bien monté le combo, j'enchaînais pas mal et tout, donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir quand même. C'est super cool. Du coup, ce que je vais faire, vu que journée ça fonctionne pas, je vais jouer à Warhammer 40 000 Inquisiteur Martyr, vu que je pourrais pas y jouer demain. Comme ça au moins, je ferai quand même le Stay Away and Listen de cette semaine finalement.